Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, c'est une autre journée à la maison où je vais faire juste du travail et du rangement. C'est comme tout ce que je fais, on dirait. Mais c'est pas grave, au moins je fais du rangement pour être bien chez nous et du travail pour bien vivre. Alors, je vois ça comme positif. J'ai reçu deux colis ce matin, je vais les ouvrir avec vous plus tard. Oh, il commence à pleuvoir en espérant qu'il fasse plus froid pour que ce soit de la neige. Je pense que c'est ça qui me manque le plus présentement, c'est la neige. Juste pour nous mettre dans un esprit plus Noël, puis aussi pour pouvoir aller marcher dehors, puis pas se faire pleuvoir dessus comme moi hier. C'était tellement dégueulasse, là. Je pense avec angoisse. Là, il est quand même 12h30 parce que ce matin, il fallait que je travaille, puis j'avais aussi un appel avec un client, ça a duré 1 heure, donc ça m'a occupé pas mal. Je vais aller me faire un bon café glacé, j'en ai bien besoin, ça va me faire du bien. Puis là, il faut que j'écrive une recette, je vais me concentrer là-dessus pour le reste de l'heure qui s'en vient. Faut que je fasse les photos pour cette recette-là aussi. Puis je vais aussi monter le petit chariot bar. Puis on va comme l'équiper ensemble. Je me suis dit que ça serait le fun de faire ensemble l'espèce de petit bar pour Noël, là, de commencer à le monter. Pour Noël, pour personne, pour juste moi. Mais tu sais, juste pour que ça soit chic. Mettre des petits verres, mettre une petite déco peut-être. Puis mettre les bouteilles. J'ai pas mal de bouteilles d'alcool en dessous. Moi, j'aime ça l'alcool. Je bois des verres, tout ça. Mais je bois pas souvent. C'est ça l'affaire. Tu sais, je vais me faire un cocktail, je vais prendre du vin au resto, je vais prendre un petit verre de vin le vendredi, mais c'est pas mal ça ma consommation. Fait que c'est pour ça que j'aime ça me rendre ça cute, parce que ça fait comme encore plus un moment versus, tu sais, avoir une bouteille toujours ouverte dans le frigo. Ça, c'est pas mon lifestyle. Donc, c'est ça, je suis vraiment contente d'avoir acheté le petit bar. J'espère que j'aurai pas trop de misère à l'assembler. on va voir. Je vais y aller tranquillement et je vais lire les instructions. Si jamais vous me découvrez parce que c'est Vlogmas, je vous invite à vous abonner en pesant sur le petit piton rouge, puis activer les notifications, comme ça, vous allez savoir tout de suite quand il y a une nouvelle vidéo en ligne. J'y mets toujours autour de 11h30 pendant Vlogmas. Puis aussi, venez me rejoindre sur mon compte Instagram, Eve Martel Blog. Je vais faire 2-3 concours pendant le reste du mois de décembre. Ça va être vraiment le fun. C'est des choses que j'ai planifiées avec certains partenaires, certaines compagnies avec qui je travaille pendant l'année. Puis, ouais, j'ai envie de vous gâter. À chaque année, je fais toujours quelques concours, puis, mais je les fais sur Instagram parce que, comme je l'ai déjà expliqué, c'est quand même un peu compliqué sur YouTube. Donc, ça va être sur Instagram. Puis, je vais avoir mis en ligne aussi le concours pour le livre de recettes vegan. Ça va être le e-book qui va être tiré. Ça va se passer sur mon compte Top Yummy. Je mets tous les liens vers mes Instagram sous la vidéo. Donc là, j'allais faire mon café puis je vais travailler un petit peu. Je vais vous montrer le premier colis que j'ai reçu. Ça vient de McCann, je ne sais jamais comment dire, qui est une brasserie qui fait surtout des, en fait, principalement des cidres. Puis, il y a l'air d'avoir d'autres choses en haut. Bon, j'ai envie de plastique. Il y a le cidre rosé, comme ça que j'ai reçu cet été, qui est super bon. Puis une boîte de cidre mélangé avec une petite note sur l'année qui s'achève. C'est vraiment gentil. Puis une tuque avec le logo. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'apprécie vraiment. Fait qu'on va siroter ça pendant le temps des fêtes. Le deuxième colis, je me demandais c'était quoi, mais c'est le linge que j'ai commandé au Old Navy. Puis c'est tellement mal emballé, là. Genre, je suis outrée, là. C'était tout ouvert. Puis en plus, c'est le livreur EPS, puis il m'a appelé, puis il me répondait pas. J'ai comme, oui, 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 à l'intercom. Puis là, il a dit, livraison. Puis là, j'ai dit, je vais vous ouvrir, puis il l'a juste foutu dans l'entrée, là. Je sais qu'ils sont occupés, là, mais tu sais, la base, là, c'est de rendre le colis pas ouvert au client, me semble. En tout cas, fait que c'est les chandails que j'ai commandés, qui sont comme mes autres chandails. Fait que ça, c'est le même modèle. Je suis pas en train de vous montrer ça comme faux, là, mais le même modèle que mon rouge, je l'ai pris aussi en aubergine. Puis j'ai commandé celui qui fait plus finlandais, on va dire, avec les manches ballons, mais en gris. Trop contente. J'ai vu qu'il restait quelques grandeurs dans celui-là, mais le foncé marine. Puis je pense qu'il restait juste du X-small, puis du X-large, genre les deux extrêmes. Puis X-large, je veux dire. Je sais plus, en tout cas, il en restait quelques-unes. C'était dans les rabais à 50%. Fait que, trop contente, chandail life. Puis là, vous savez ce que ça veut dire. Faut vraiment que j'aille enlever des morceaux de vêtements de mon garde-robe. Je vais faire ça après ma journée de travail. Je vais faire un mini-tri rapido du garde-robe. Ce sera pas la grosse session, là, mais j'aimerais ça enlever au moins 10 morceaux.
On va ouvrir le calendrier de l'Avent. Nespresso. C'est Inspiration Napoli. Hey, c'est joli ça. De belles couleurs. Parlant de belles couleurs, regardez ce petit bon Noël mini que mon amie Anne-Marie m'a crocheté. C'est tellement cute. Oh. C'est drôle, je m'achète des pins, mais je les porte pas. Je les mets sur mon tableau. Ah, oh, j'aime tellement ça. C'est fait à la main avec amour. J'aime pas ça, mon petit grillage des fêtes comme ça. Puis j'ai installé mon calendrier de l'Avent, juste ici, que j'avais acheté à Disney World. Fait que ça, c'est le chandail que j'aime tant avec les manches ballons. Full doux. Je pense que j'ai mieux le crème. J'ai peut-être pris tard, je me rappelle pas. J'avais-tu pris tard pour celui-là? Mais on dirait que la manche est plus courte. Mais des fois, d'une couleur à l'autre, il y a des petites variations. Mais je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Puis je voulais vous montrer aussi les produits que j'utilise pour mes cheveux présentement. Là, c'est sûr, je viens faire la colo, mais j'ai aussi fait faire un fusio d'os. C'est un soin que vous pouvez faire en institut ou en salon, puis qui donne vraiment soit de la brillance, du corps, tout ça. Là, je les ai lavés ce matin, je les ai laissés sécher naturel. Ça fait des genres de petites waves. Moi, j'ai les cheveux qui bouclent un peu. Vous voyez pas grand-chose, hein? T'sais, c'est pas comme j'ai les plus beaux cheveux au monde, là, mais tu sais, si vous avez, vous autres aussi, les genres de cheveux qui vont frisouiller, tout ça, là, mes trucs, c'est de les brosser avant de prendre votre douche, avant de les laver, puis pas après, juste mettre un soin dedans. Enfin, je vais vous montrer c'est quoi mes produits que je prends actuellement. Pour nettoyer, j'utilise de Design.me, le shampoing Gloss Me hydratant. Oh my god, ça m'avait été envoyé par la compagnie. Je suis tombée en amour. Je pensais jamais que j'allais remplacer mon shampoing Kérastase par ça. Mais honnêtement, il est superbe, ça sent très bon. La mousse n'est pas trop intense, c'est pas comme du gros savon. Là. Tu sens que tes cheveux sont soignés avec ça, sont bien traités. Donc, vraiment super. Puis, franchement, vous pouvez les acheter en ligne, ces produits-là. Je double avec le revitalisant hydratant qui renforce, qui donne aussi la brillance, aussi dans le Gloss Me. Ils ont différentes gammes, ils sont toutes faites selon les types de cheveux et tout ça. Vous voyez que j'ai aussi des produits coiffants de la marque qui sont ici, je vous les avais déjà montrés. J'ai aussi un soin comme un masque, mais je préfère utiliser le Cica Flash. Là, je viens juste de m'en racheter un tube, j'en avais plus. Je l'ai acheté chez Glam, mon salon de coiffure. Cica Flash, dans le fond, c'est comme un soin fondant. Ce soin-là, dans le blonde absolu, c'est fait pour les cheveux blonds, pour enlever toute l'espèce de jaunissement aussi, pour qu'il soit plus neutre. Ça fait bien aussi sur les cheveux décolorés ou méchés, qu'on dit. Moi, j'ai aussi de la teinture sur les racines. C'est un soin à rincer, donc je l'applique après m'être lavé les cheveux. Puis je laisse le temps de faire d'autres soins corporels. Tu sais, par exemple, je peux me faire un exfoliant ou un soin des mains dans la douche, ou juste pendant que je me lave, là. Puis je laisse environ 4 minutes, puis je le rince, puis ça fait vraiment des cheveux lisses, même bouclés, je veux dire, que ça enlève le côté frisouillette, là. Vraiment, vraiment super soin. Assez coûteux, par contre, mais il vaut vraiment la peine, puis ça en prend pas beaucoup. Aussi, dans Kérastase, quand j'ai fini de me laver les cheveux, quand ils sont bien essorés, mais pas secs, j'applique une noix de cette crème magistrale nutritive qui aide aussi à fortifier les cheveux. Ça donne vraiment de la densité à nos cheveux, puis ça sent full bon. Vraiment un super soin. Vous pouvez l'utiliser aussi avant le séchoir. Finalement, aussi dans Blonde Absolue de Kérastase, le sérum Cicanuit que j'adore. Ça, t'en mets sur tes cheveux avant de te coucher. Puis ça aide aussi à les réparer, à les garder beaux, à les garder brillants. Super soin le soir. Là. Vous pouvez le mettre n'importe quand dans le fond. Mais moi, j'aime ça le mettre le soir, me faire une petite bonne lousse. Puis le matin, mes cheveux sont magnifiques. J'en mets pas trop à la racine, par contre, plus sur la longueur et la mèche. Hello, il est tard. Je suis en train de me faire souper. Il doit être proche de 9h. J'ai full travaillé après-midi, oh mon dieu. Puis je suis allée porter des biscuits à Mathieu. Puis j'ai fait du ménage, ça fait du bien. Demain, je fais des photos. Je voulais en faire un petit peu aujourd'hui, mais finalement, je vais décider de faire une journée consacrée aux photos. Comme ça, je ne vais pas servir à la cuisine deux fois. Puis là, je me fais un genre de petit sauté de bœuf. C'est une recette cookie, mais j'ai même pas lu la recette. J'ai pris les ingrédients, puis j'ai fait ce qui me tentait. Il y a du riz en train de cuire. Puis là, j'ai oignon rouge, du bœuf, puis du maïs. Puis là, j'ai rajouté de la sauce barbecue. Comme ça. Je sais pas si je vais toute la mettre. On va brasser un peu avant. Ouais, ça va être bien bon. Puis je vais me faire des petits concombres avec ça. Juste simple. Excusez, j'écoute le truc de Noël de Rockefeller Center en arrière. J'ai tout ouvert ça. Puis je suis contente, ça prend pas d'outils. Fait que j'ai besoin de la clé Allen qui est là. On va assembler ça. Je vais vous montrer après que ça soit assemblé. Fait que voilà mon souper. Puis ça va être mon dessert. Après plusieurs sacres, plusieurs doigts pincés et un peu de patience, j'ai terminé l'assemblage. Oh, il est super! J'aime le format. Juste assez grand.
Très beau. C'est quand même une petite bitch à assembler. C'était pas difficile, c'est juste fallait que tu catches qu'est-ce qui allait par-dessus quoi, puis tout, là. Puis je me suis trompée une couple de fois. Fait que je vais le remplir. Je sais pas où je vais le mettre. Probablement, je vais le laisser comme dans le salon quelque part. Hein, pour vrai, ça va super bien, là. J'ai mis des bouteilles de liqueur, là. Là, il y a de la vodka. Puis du gin. En bas, c'est plein de liqueurs différentes. Puis du vin. Puis du mousseux. Là, j'ai mis des petits drames que j'avais, qui me restaient de l'Écosse. Puis ici, je vais plus mettre un plateau, un bucket, un shaker, de l'accoutrement, là, puis je vais laisser la petite place ici. Ah, j'ai une bouteille de whisky aussi, il faut que je rapatrie là. Du bourbon, en fait. Super, je suis vraiment contente. C'est drôle, je me trouve vraiment cernée ce temps-ci parce que je dors pas assez, puis je suis fatiguée, puis je travaille beaucoup, puis la COVID, puis le stress, puis tout. Puis là, j'ai reçu des patchs de Karine Jonka. Ils font comme un event à chaque année pour leurs patchs. C'est vraiment des patchs super bons pour les petits dessous de yeux fatigués. Je vais m'en faire une thérapie cette semaine. J'en ferai un tous les matins. Je pense que ça va faire du bien. C'est temps de faire ça, là, avec la noirceur, puis tout, là. Puis le stress, puis le surchauffage, on est déshydraté aussi. Ça va faire du bien. Fait que je vais mettre ça ici. Je vais me faire un petit traitement cette semaine. J'aime full mon petit plateau comme ça avec mes soins. Ça me permet d'y penser, d'y essayer. C'est un sauna dans cette maison. Il fait 25. Vraiment, le sapin, je pense, je ne le laisserai pas allumer toute la soirée, le sapin rouge, là, il chauffe bien trop. Danger. Je me suis pris un bubbly pour me désaltérer après. Oh mon Dieu, le son parfait. Après cet assemblage interminable que j'ai fait en regardant les émissions de Noël sur NBC, il y avait le spécial de Rockefeller Center. Ils ont fait un genre de show de variété, mais sans public. Il y avait des chansons, il y avait de la danse, puis ils ont illuminé le sapin sur la place qu'il y a à Rockefeller Center. C'est tellement beau, là. J'ai eu la chance de l'avoir déjà vu à New York. Illuminé, si vous allez à New York pendant le temps des fêtes, c'est tellement magique quand même, là, tout ce petit coin-là, là. Il y a la patinoire en avant, les gens font du patin, il y a plein d'enfants souriants avec des chocolats chauds, des petits couples qui se font des demandes en mariage sur la glace avec leur patin, d'autres qui tombent par terre, qui tombent, puis peut-être ça va pas bien, on sait pas, on sait pas. Mais j'avais vraiment aimé ça. On était là, moi puis mon ami Rob, qui était aussi mon collègue dans ce temps-là. Puis on était allé pour donner un training au bureau de New York de l'agence où on travaillait tous les deux. Puis tu sais, c'est le fun, on est arrivé le matin même. On a donné le training toute l'après-midi. On a fini de travailler à 3 heures. Puis après, on est allé juste se promener puis manger, là. On s'était fait un genre de walk and eat. Comment t'appelles ça? Un food crawl. On était allé manger. Des nouilles japonaises à une place, après ça des beignes à l'autre, après ça de la crème glacée à l'autre, un hot dog. C'était n'importe quoi, là, mais tu sais, c'était vraiment le fun. Puis là, on est arrêté à Rockefeller Plaza pour voir le sapin. Puis c'est pas overrated, là, c'est magique. C'est un gros, 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 gros sapin. À chaque année, il y a toute une équipe qui parcourt les campagnes de l'État de New York pour trouver THE sapin, là. Puis. C'était une bonne job cette année-là. C'était super beau. Mais j'ai regardé ça, puis après, j'ai regardé le show des Rockettes. Ça, c'est aussi dans le même coin, là. Radio City Music Hall, c'est le show avec les petites madames qui dansent comme ça. Là. Puis ça me touche moins, on va dire, mais c'est quand même le fun. Là. Je dirais 7,3 sur 10. Là, j'ai réussi à avoir les adresses des amis à qui j'envoie des cartes, mais je vais en donner plus que 3. Mais là, les 3 premières vont aller à 3 amis. Qui m'en ont déjà envoyé, puis moi j'en ai jamais envoyé. Fait que je me suis dit cette année, je vais pas être The Grinch, je vais envoyer moi aussi des cartes. Fait que je les ai toutes écrites avec mon écriture dégueulasse. Oh my god, j'écris tellement mal là. C'est gênant. Dans celle d'un de mes amis, j'ai écrit à côté genre, oh my god, je m'excuse, pourquoi j'écris comme ça. On dirait que je suis une fille du roi qui a appris à écrire en cachette là, dans le vieux Canada. Mais aïe aïe, c'est pas super beau. Mais c'est l'intention qui compte, hein? C'est la chaleur, c'est l'amitié, puis le don de soi. Voyons, je parle comme le gars dans Astérix. Là, il est quand même, on va dire, juste minuit 40. Depuis 3 jours, je me couche à 3 h du matin, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je me dis, je vais pas me coucher à 3 h du matin, je vais me lever tôt demain, je veux vraiment comme être full on sur les shoots, puis faire mes trucs, puis être productive pendant qu'il y a de la lumière. Puis après, je ferai d'autres choses, puis c'est pas grave, mais il faut que je me concentre sur ça. Je sais pas si je vais tout faire, mais en tout cas, je vais faire au moins, j'ai trois campagnes à shooter, 2 trucs de recettes, puis un, c'est un drink, puis ça me tente fou de le faire, j'aime tellement ça faire ça, là. Je me souviens, là, peut-être 6 ans,
6-7 ans. J'étais chez nous un après-midi, j'avais pris off. Cette journée-là, j'avais pris une journée de congé de mon travail pour faire un contrat. Puis c'était un de mes premiers contrats où une compagnie me payait pour faire une recette. Puis c'était une compagnie de lait d'amande. Puis j'avais fait des petits choux à la crème préparés avec du lait d'amande. Puis c'était trop bon, là. Au lieu de prendre du lait de vache, c'était accompagné évidemment de lait. Donc j'ai utilisé leur produit. Puis je me souviens, je faisais des photos, puis je tripais, puis je m'étais dit, oh mon Dieu, si c'était ça ma job à temps plein, je serais vraiment heureuse, je serais vraiment contente, j'aimerais vraiment ça. Puis je pense souvent à ce moment-là, je pense souvent au moment où je me suis dit, c'est ça, faut que je fasse dans la vie. Puis je sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver un jour. Et j'y suis arrivée! J'y suis arrivée. Je suis très contente et reconnaissante à la vie pour mon travail. C'est pas tous les jours facile d'être pigiste, vous savez. Mais il n'y a pas de métier qui est facile. T'sais. C'est pas facile de travailler dans un bureau. T'es tout le temps dans les mêmes cercles. Puis c'est stressant. Puis le boss. Puis tout. C'est pas facile d'être serveuse. T'as les clients fatigants. C'est pas facile d'être dans le milieu de la santé parce que j'ai-tu besoin de vous dire pourquoi. C'est difficile. Tous ces métiers-là peuvent être gratifiants aussi. Mais c'est difficile aussi. On a tout, tu sais, le pour et le contre de chaque job. Mais moi, pour moi, ce que j'aime vraiment, c'est mon sentiment de liberté d'être chez moi. Quand je veux partir en voyage, je peux prendre un break. Tu sais, je peux prendre des vacances quand je veux. C'est sûr qu'il y a aussi le fait que je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Là, fait, il y a un level de disponibilité, on va dire, qui est différent. Mais j'apprécie vraiment ça. Puis je veux jamais perdre conscience de cette appréciation-là du privilège de ce que la vie m'a donné, là, pour mon travail surtout, là, puis ma famille, puis tout. En tout cas, je rentrerai pas là-dedans. Là. Je sais pas pourquoi je m'en vais dans cette tangente-là. Mais parce que je suis heureuse à ce soir, je sais pas. Je suis bien dans ce que je fais, puis je suis reconnaissante. Puis j'espère que vous aussi, vous vivez ces bonheurs-là, ils sont super importants. J'ai pas juste des bonheurs, j'ai des gros bas des fois, j'ai des moments où ça va pas bien, vous le savez, je vous en parle. Mais présentement, ça va bien, puis merci beaucoup. J'ai ouvert ma boisson, mais j'ai pas pris de gorgée, puis j'ai soif, là. Je sais pas pourquoi ce bubbly-là me fait penser à mon ami Andrew. Genre, je pense toujours à lui quand j'en bois. Peut-être parce que j'y avais fait boire pour la première fois, je sais pas. Andrew, si tu regardes ça, je sais qu'il regarde pas vraiment avec mes vidéos, mais... pourquoi? C'est le bubbly à la mûre. Il est très bon. Cheers to you, my friend. Hey, je m'ennuie de mes amis. Hein. Tout le monde s'ennuie de ses amis, on sait. La dernière fois que j'ai vu PL, c'était l'été. Comprenez-vous? Genre, le monde pense que je vois PL super souvent encore, là, mais non. Genre, on s'est pas vu depuis le mois d'août. Tu sais, mais les gens que je vois, c'est Andréanne puis Mathieu. J'ai vu mon ami Anne-Marie une fois, comme ça. Mais sinon, là, je m'ennuie vraiment beaucoup de PL, d'Ariane et d'Andrew, puis de Gabriel. Puis de l'autre Gabriel. Puis, tu sais, c'est tough, là! C'est vraiment tough! Et, tu sais, avant, je voyais plus Ellie puis Gabriel parce qu'on se voyait dans des événements, puis tout ça. Gabriel, Chalifou, on se faisait nos petites dates du vendredi soir, on allait souper. Andrew, Perriane, j'y vois tout le temps, c'est mes bestes. Tu sais, cet été, on s'est vu plus, là. Dans le temps qu'on avait le droit, on se faisait des pool parties. Tu sais, ils viennent chiller ici, on travaille ensemble, c'est super le fun. PL, mais je le vois tout le temps, là. Sérieux, PL, puis moi, on va souper au restaurant deux fois par semaine, d'habitude, là. Puis, t'sais, c'est comme, on est comme dans un sitcom, là, t'sais, les sitcoms où est-ce que les amis sont tout le temps au restaurant, t'es comme, hey, qui vit de même? Ben, moi pis PL, on vit comme ça. Puis, ouais, ben, je m'ennuie vraiment beaucoup, c'est lourd, là, je trouve ça lourd de pas voir personne, là. C'est drôle, c'est pas une lourdeur de dépression, c'est une lourdeur de, qu'est-ce qui se passe, là? Mon cerveau commence à trouver des nouveaux chemins, puis c'est bizarre, comme quand je vois dehors aussi, là, je me sens vraiment différente face aux gens. Puis c'est, tu sais, j'en parlais avec une de mes amies, puis je disais que j'étais pas bien, mais c'est pas vrai que je suis pas bien, c'est juste que, on dirait, mon rapport avec les autres est en train de changer, puis j'aime pas ça. Il y a comme, c'est même pas une crainte, il y a comme pas de mot pour ça. C'est comme, je suis déstabilisée, je sais pas comment réagir, je pense à certains réflexes, puis j'aime vraiment pas ça. Fait que là, devinez qui vient de sauter sur la table, évidemment. Mais c'est ça, je voulais juste dire que je pense que c'est normal quand on sort de pas se sentir bien, parce qu'on sort tellement moins, là, quand on travaille pas à l'extérieur, que dès qu'on prend un petit trot dehors où est-ce qu'il y a des gens, beaucoup, on est déstabilisé. Puis c'est ça, c'est parce que je suis allée dans Myland, puis j'y vois jamais. Puis le monde était vraiment différent que dans mon quartier de Hochelaga-Maisonneuve. On dirait qu'ils faisaient moins attention. Je voyais des trios d'amis avec un café, pas de masque, au coin de la rue. Des gens qui rentraient à l'épicerie, puis qui mettaient leur masque une fois rendu dans l'épicerie. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment différent. C'est peut-être un préjugé, peut-être parce que je regardais plus. Mais j'ai trouvé que dans Hochelaga, les gens étaient plus on point. Puis plus de distanciation, mais en même temps, le monde te jase à l'autobus pour te parler de conspiracy theory puis te parler des pluches en tigre.
Bref, je pense que je suis en train de délirer complètement. Je suis surchauffée, je suis overworked, overjoyed, je sais pas. C'est comme ça. Demain, j'ai rajouté des petits verres dans le chariot pour mettre ça plus cute. J'ai des belles petites coupes à champagne rose là, qui pourraient être cute. J'ai mes verres à cocktail que j'ai mis. J'aimerais ça ajouter quelque chose comme à grignoter sur le bar cart aussi. Peut-être des, je sais pas, des arachides ou, tu sais, ça me prendrait un petit pot avec quelque chose dedans. Mais ça va me prendre vraiment un beau seau à glace. J'aimerais ça. J'en ai vu un comme en faux marbre, là. Il était magnifique. Ou tu sais, quelque chose qui fait un peu hôtel chic, là. J'aimerais ça. Mais je veux pas 50 patentes, tu sais, genre la cuillère avec la passoire. Plutôt, j'ai tout l'équipement déjà, puis c'est pas beau sur le cart. Fait que je le mettrai pas là. Mais c'est ça. Demain, je vais faire ça en plus de mon shoot. Puis on va se voir demain, c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner. Venez me rejoindre sur Instagram, s'il vous plaît. J'aime vraiment ça quand vous venez me parler. Puis on se verra à demain. Je vous embrasse. Bye! Sérieux, je parle donc bien longtemps.